Parler Bitcoin aujourd'hui et Bitcoin et électricité. Ah, c'est moi qui ai la manette. Alors, comme c'est les 10 ans de Bitcoin, les 10 ans de la blockchain Bitcoin le 3 janvier 2019, on va faire un petit bilan chiffré. Merde. Voilà, ce sera mieux comme ça. Merci. Alors, quelques données chiffrées. Après, on va parler de la réputation de Bitcoin en France. On verra qu'il est incompris, puisque plutôt perçu comme négatif. Et on verra qu'il y a des opportunités pour la France, notamment en ce qui concerne l'électrique français. Alors, le bilan, en très court, en quelques chiffres. Hein, Bitcoin, aujourd'hui, c'est 110 milliards de market cap, donc de capitalisation boursière. Un Bitcoin vaut 6 500 $, ce qui peut paraître considérable. Et vous allez voir ici la courbe des transactions enregistrées sur le réseau Bitcoin. Donc on voit une courbe exponentielle de transactions. Donc si le cours est relativement stable depuis 3-4 mois, le niveau des transactions continue, lui, à s'accélérer. L'adoption du Bitcoin continue à se répandre partout dans le monde. Alors le Bitcoin est incompris en France. On dit de lui qu'il est malsain, sale, dangereux. Et surtout totalement inutile. Alors je ne sais pas si parmi vous des gens ont déjà des cryptos ou en ont déjà eu. Est-ce que vous pouvez lever les mains ceux qui ont des cryptos, du Bitcoin, de l'Ethereum? Deux personnes dans le public. Donc effectivement, c'est encore quelque chose qui est peu répandu dans notre pays et qui n'est pas compris dans notre pays. Alors on le trouve sale. Sale, ça veut dire qu'il est énergivore, mais surtout qu'il est miné. L'électricité utilisée pour produire du bitcoin est une énergie carbonée, donc le bitcoin serait noir de charbon. On part du principe que le bitcoin est essentiellement extrait en Chine et que le mix énergétique chinois est entre 60% carboné. Le bitcoin est par conséquent sale et noir de charbon. Bon, c'est plus vrai du tout. La puissance totale du réseau installé de bitcoin a été multipliée par 5 l'année dernière. Cette nouvelle puissance installée s'est concentrée sur des ressources durables, essentiellement de l'hydroélectrique, un peu partout dans le monde, notamment dans des zones où de grosses centrales hydroélectriques se retrouvaient en surcapacité de production. On a des exemples en Sibérie, par exemple, où une grosse industrie aluminium s'est déplacée vers les Émirats et a laissé des capacités de production électrique très importantes. Donc on a pu dire que c'était une catastrophe écologique, que Bitcoin allait consommer plus que la planète entière. Pour l'instant, Bitcoin a fait sa place dans l'offre électrique existante sans créer un décalage entre l'offre et la demande. Et je pense ici, dans le salon électrique d'Aiz, que les gens ne confondent pas consommation électrique et pollution. On peut consommer de l'électricité qui n'est pas forcément émettrice de gaz à effet de serre. Alors malsain, oui, le Bitcoin peut paraître malsain à cause d'une spéculation effrénée sur ce jeton. Tout subit de la spéculation, toutes les matières premières, le blé, l'acier, le pétrole. Mais ça nous paraît normal, enfin en tout cas moins gênant, parce que le pétrole et le blé et l'acier ont des utilités. Le Bitcoin, on a l'impression que c'est un objet purement spéculatif qui a été conçu pour faire de la spéculation. On va voir plus loin que ça n'est pas le cas. Et donc tout ça serait vrai, il consomme de l'électricité, même si c'est de l'électricité green, c'est un gaspillage considérable dès lors que ça ne sert à rien. Et le Bitcoin, pour nous, eh ben, ça ne sert à rien. Pour beaucoup de gens ici, je pense que vous n'avez pas compris à quoi ça pourrait bien servir. Et c'est normal, parce qu'on n'en parle jamais. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui est très friendly, qui dit que la France doit devenir la capitale des ICO, des crypto-monnaies, des blockchains. Mais on ne nous dit pas pourquoi. On nous dit juste qu'économiquement, ça pourrait être intéressant pour notre pays. Mais ce n'est pas suffisant, parce qu'il y a plein d'autres choses qui pourraient être intéressantes économiquement pour notre pays, puis qu'on ne fait pas parce que ce n'est pas digne ou pas moral. Donc le Bitcoin, il faut expliquer pourquoi c'est intéressant. Et ça l'est. Déjà, quand on peut regarder les cas d'usage, mais il faut comprendre que pour nous, Français ou Occidentaux, ce n'est pas utile parce qu'on a des conditions bien particulières. Nous, on a des banques, on vit en démocratie et on a une monnaie forte, l'euro. Donc ça, c'est trois critères qui font que forcément, on n'est pas intéressé par une monnaie de substitution ou une monnaie comme le Bitcoin, une monnaie numérique qui en plus est volatile. Nous, on a l'euro, ça nous convient comme ça. Il y a une confiance dans notre monnaie, nos banques et nos institutions démocratiques. Mais si on prend un petit peu de hauteur, on se rend compte que ce n'est pas partout comme ça dans le monde entier. La démocratie, par exemple, qui nous paraît une évidence, ça concerne que 50% de la population dans le monde.
J'irais même plus loin, 33% de la population mondiale vit sous le joug d'une dictature. Donc quand on sait ça, on peut se dire qu'il peut y avoir un sens à une monnaie indépendante, libre et honnête, qui n'est pas manipulable ou confiscable par le dictateur. 33% de la population mondiale, vous imaginez ce potentiel. Ça, c'est le côté démocratique. Maintenant, les banques. En France, on a de bonnes banques. Alors, on ne va pas faire la liste des bonnes banques et des mauvaises banques selon les pays. On va juste dire un chiffre. 40% des adultes sur cette planète n'ont pas de banque du tout, ni bonne ni mauvaise. Plusieurs raisons à cela. Hein. Soit qu'ils sont dans des zones qui ne sont pas, où il n'y a pas de banque, soit qu'ils sont trop pauvres. En Afrique, vous avez beaucoup de pays où il faut apporter un dépôt en banque qui peut correspondre à une ou deux années de salaire moyen. Donc la banque leur est définitivement fermée. Soit que leur état civil n'est pas assez affirmé. Les sans-domicile fixe, les sans-papiers, les populations tribales, nomades, n'ont pas accès au système bancaire. On sait qu'économiquement, bonjour, je vous avais pas vu, économiquement c'est une réelle problématique. La microfinance essaye depuis 20 ans, 25 ans, de bancariser ces populations. On sait qu'on ne sortira pas de cette situation économique avec ces flux migratoires tant qu'on n'aura pas créé des économies stables qui peuvent fixer les populations dans leur pays. Ça passe par une bancarisation. Bitcoin propose cette bancarisation immédiatement. Une population qui n'est pas bancarisée a maintenant de plus en plus des téléphones portables avec Internet dans leur téléphone portable. Quand vous avez un téléphone portable avec Internet, vous avez accès à Bitcoin. Vous pouvez ouvrir un compte gratuitement, immédiatement, sans identité. Et c'est ça la grande force de cette bancarisation. Excusez-moi. Le troisième aspect qui fait que nous, en France, on n'est pas intéressé par Bitcoin et qu'on trouve ça assez étrange, cet engouement pour cette monnaie numérique, c'est parce qu'on a déjà l'euro pour payer et que cette monnaie forte qu'on partage avec nos voisins nous inspire confiance. Là aussi, prenons un petit peu de hauteur. Qu'en est-il dans les autres pays? Tout de suite, vous vous dites, tiens, la monnaie dans les autres pays. Peut-être l'image du Zimbabwe vous vient à l'esprit, le champion du monde de l'émission de grosses coupures. Vous pouvez penser à ce qui se passe au Venezuela en ce moment. Vous avez peut-être vu la crise turque, la crise monétaire turque, où la livre turque a perdu 40% de sa valeur en l'espace de quelques semaines cet été. Le peso argentin est en train de vivre la même chose. L'Afrique du Sud, le Libéria, j'en cite des meilleurs. Je pourrais vous citer pratiquement les deux tiers des pays du monde où la monnaie va très mal. Alors c'est pas moi qui le dis, hein. Christopher Giancarlo, le patron de la CFTC, c'est-à-dire un des gros organismes régulateurs américains, l'équivalent de l'AMF en France, a déclaré la semaine dernière que les deux tiers des monnaies nationales ne valaient pas le papier sur lequel elles étaient imprimées. Quand on sait ça, on comprend un peu mieux l'intérêt que pourrait avoir Bitcoin. Bitcoin peut être très libérateur pour des populations opprimées qui vivent sous le joug d'un dictateur, peuvent être très libératrices pour des pays où il n'y a pas de banque, où il n'y a pas moyen d'entrer dans l'économie mondiale, dans la mondialisation. Et puis, dans tous ces pays qui sont en crise, on voit aujourd'hui en Argentine une ruée vers le Bitcoin, une augmentation des transactions. Et ça, c'est systématique dans chaque pays qui rentre en crise. On l'a vu en Grèce, on l'a vu à Chypre. C'est évidemment Bitcoin une monnaie de crise et un agent anti-crise. Donc voilà pour l'utilité de Bitcoin qu'on ne comprend jamais chez nous, occidentaux. Il y a une réelle utilité sociologique, sociétale, qui peut aider ces populations pauvres et défavorisées à entrer dans le jeu de la mondialisation. Alors quand on sait ça, on se dit, tiens, pourquoi nous, la France, on ne rentrerait pas dans cet écosystème? Est-ce qu'on ne deviendrait pas les validateurs? On ne ferait pas partie des validateurs de la blockchain Bitcoin et des blockchains des crypto-monnaies? Et ça, ça passe par un travail de groupe avec les électriciens, avec les producteurs d'électricité. Et tant que les producteurs d'électricité penseront que Bitcoin, c'est sale, comme on leur explique à longueur de colonne dans la presse, ben, ils ne s'y intéressent pas. Ça ne sert à rien, c'est sale, c'est malsain. C'est dangereux parce que, ah oui, dangereux, j'ai oublié de vous préciser, on dit que ça finance uniquement des activités illicites, le bitcoin, les trafics en tout genre, le blanchiment d'argent et j'en passe et des meilleurs, le financement du terrorisme. Bon, aujourd'hui, les spécialistes de la cybersécurité passent leur temps à venir dans les réunions autour des crypto-monnaies pour expliquer que c'est epsilon, hein, la part des crypto-monnaies dans les trafics mondiaux. Et puis, je dirais qu'une technologie nouvelle a souvent été adoptée par les bandits avant d'être adopté par les autorités. On a l'image des policiers à vélo en train de courir après le gang des tractions qui avait déjà adopté les voitures. Donc voilà pour
pour le fait que Bitcoin soit quelque chose de très digne, soit un projet bénéfique pour les populations et pas un projet de la finance folle, de la finance mondiale, pour s'amuser à faire de la spéculation. Je suis allé un peu vite. Donc le Bitcoin, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'il propose? Il propose de pouvoir faire des échanges de valeurs pratiquement immédiatement, sans frais, sans frontières. Donc j'explique, si je vous envoie un petit bout de Bitcoin, 100 euros de Bitcoin, à vous monsieur par exemple, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de banque qui va valider cette transaction, ce sont des ordinateurs qui vont résoudre l'équation, qui vont décrypter l'information et qui vont inscrire cette transaction dans la blockchain. Donc ce sont ces ordinateurs qui font le boulot, c'est leur fonction d'entretenir la blockchain Bitcoin, de vérifier que les informations qui y sont apportées sont bonnes et de valider et d'inscrire cette transaction dans des blocs. Pour ce faire, il y a une incentive, c'est-à-dire que ces ordinateurs sont récompensés par la nouvelle création monétaire. Aujourd'hui, il y a 17 millions de bitcoins, il y en aura à terme 21 millions, ça sera en 2140. Et donc, les mineurs sont récompensés par cette création monétaire qui est aujourd'hui de 12,5 bitcoins environ toutes les 10 minutes. Cette récompense est fondante, on en obtient de moins en moins. Mais donc, ces machines consomment de l'électricité et les pays qu'on dit miniers, donc les pays qui valident les transactions du bitcoin, sont en train de... C'est une distribution du jeu qui est en train de bouger. Jusqu'à maintenant, c'était beaucoup en Chine, puis ça s'est déplacé vers le Canada, la Géorgie, l'Ukraine, beaucoup les pays de l'Est, la Russie. Et aujourd'hui, il y a une carte à jouer pour la France, parce que en France, on a des avantages. On a un kilowatt qui est relativement bon marché, même si ce n'est pas le plus performant du monde. Mais on a des structures d'État et une stabilité politique que les mineurs recherchent aujourd'hui. Parce que dans beaucoup de pays, on est spolié. Cette activité du Bitcoin et du mining du Bitcoin est encore peu connue et reconnue. Et des gouvernements autoritaires, justement, peuvent tout à fait saisir nos exploitations ou se les approprier. En France, ça ne sera pas le cas, on le sait. Donc on recherche, nous mineurs, un kilowatt bon marché, mais également une pérennité sur l'offre du kilowatt. Donc on ne veut pas que notre kilowatt... le prix soit multiplié par 3 en l'espace d'un an, comme on a pu le constater dans certains pays. Et puis, on ne veut pas qu'un État autoritaire vienne nous saisir nos machines. Donc, la France a une véritable carte à jouer. Ça ne peut pas se faire sans les électriciens, les spécialistes de l'électricité, sans les producteurs électriques, sans EDF et ses confrères. Donc, c'est pour ça qu'on vient vous parler aujourd'hui du Bitcoin et pour donner une touche positive à ce projet qui est mal compris et mal perçu. J'ai fini, je vous remercie, j'attends vos questions. On a 8 minutes devant nous, j'espère que vous en aurez. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. J'aurais souhaité savoir simplement ce que vous attendez justement d'EDF. On est demandeur en rien. On n'a demandé aucun passe-droit, ni des prix spéciaux, ni des taxes ou quoi que ce soit au gouvernement. Ce qu'on veut, c'est que notre métier soit compris, juste compris. Parce qu'on a besoin d'un travail commun, pas uniquement sur nous fournir de l'électricité, mais savoir comment on pourrait faire du mining mieux que ce qui se pratique dans d'autres pays. En gros, j'explique, on a des machines qui travaillent toute la journée pour valider des transactions et qui créent beaucoup de chaleur. On voudrait pouvoir... valoriser cette chaleur et pas la gaspiller. Ça, c'est vraiment un projet ultra important. Il n'est pas question que le mining continue à gaspiller des calories, à en produire et à les gaspiller. Donc on travaille. Il y a aujourd'hui même, je crois, une conférence qui est donnée par un de mes confrères, Trésorio, qui travaille main dans la main avec Dalkia pour discipliner cette production de chaleur. Nous aussi, on a des projets très avancés pour faire travailler les machines dans un milieu liquide. Pour avoir des gens compétents et qui vont nous amener de nouvelles idées, il faut qu'ils croient en notre projet. Donc là, on fait vraiment un travail, j'allais dire, d'éducation pour expliquer, encore une fois, que s'il y a un intérêt aussi important pour les crypto-monnaies, il y a un sens, il y a une idée derrière. C'est pas juste, tiens, il y aurait des emplois à prendre, il y aurait de l'argent à faire sur cet écosystème dont on nous dit qu'il est une révolution. Voilà, la révolution blockchain, elle va exister, mais elle commence par une révolution monétaire sans précédent. Cette possibilité de se réapproprier l'argent, d'avoir un argent propre, honnête, dans le sens où on connaît sa fin, sa quantité monétaire, qu'il n'y a pas de possibilité de manipulation du cours, qu'il n'y a pas de possibilité de création monétaire. Cette idée-là est une idée extrêmement libératrice pour les peuples. Encore une fois, quand on vit en démocratie, ça nous est un peu égal, parce que cette liberté, on l'a déléguée à des gouvernants en qui on a confiance.
mettons-nous dans la peau de tous ces gens qui n'ont pas cette confiance vis-à-vis de leur gouvernement, leur banque et leur monnaie. Et là, Bitcoin prend tout son sens. Merci. Oui. Bonjour. Bonjour. Quand on parle crypto-monnaie, il y a derrière tous les aspects régulation. Aujourd'hui, il y a le gouvernement qui travaille là-dessus. Il y a des commissions parlementaires qui sont en cours. Qu'est-ce que par rapport aux décisions qui semblent être prises, comment est-ce que vous voyez ça, vous, avec votre activité? Alors nous, on participe à ces commissions. Hein. On est pratiquement le seul mineur identifié, homologué, officiel en France. Donc on a été invité à réfléchir avec les différentes commissions parlementaires. Moi, je vois ça d'un très bon œil. Hein. Je vois ça d'un très bon œil. Il y a un an et demi, quand on parlait à un politique de Bitcoin, une blockchain, il ne savait pas du tout ce que c'était. Voire, il avait un a priori très négatif. Aujourd'hui, on s'ouvre à cet écosystème et c'est tant mieux. La France passe un message très fort. Bruno Le Maire a tweeté à plusieurs reprises qu'il voulait que la France devienne la capitale des ICO, des blockchains et des crypto-monnaies. Ça a un effet considérable dans le monde. On voit beaucoup de projets revenir en France et des projets étrangers commencer à se renseigner sur la possibilité de s'installer en France. Donc non, c'est à notre sens très, très positif. Merci. Bonjour, merci pour votre Bonjour. Intervention. J'avais une question par rapport à la tribune qui a été publiée par le directeur général de la BRED qui indique que les services bancaires peuvent se développer et que Bitcoin n'est pas une monnaie. Du coup, c'est une alternative non viable à un système déjà existant puisque le transfert d'argent fonctionne. Alors effectivement, oui, j'ai lu cet article de Monsieur Klein, patron de la BRED. Bon, c'est un patron de banque, hein. On peut s'attendre à ce qu'il soit un peu fermé à l'émancipation et au développement de Bitcoin. Au-delà de ça, son article ne tenait pas du tout parce qu'il dit les crypto-monnaies c'est mal, mais la blockchain c'est génial, les ICO c'est super pour financer les entreprises. Sauf que faire une ICO sans token, sans jeton numérique, je ne vois pas trop comment il va s'y prendre. Donc l'interview démontre une méconnaissance totale du sujet. Et souvent, ces gens-là qui ont quand même un gros niveau intellectuel devraient se renseigner un peu avant de parler où il est de totale mauvaise foi, où il ne connaît pas du tout son sujet. Oui, la BRED est une institution, donc il faudrait mieux faire confiance à l'algorithme de Bitcoin qu'aux institutions installées. Non, moi je ne veux pas du tout mettre en concurrence les deux systèmes, le système financier actuel et le système financier que propose Bitcoin. Pour moi, ils peuvent tout à fait cohabiter. J'en suis pas du tout là, moi, à penser qu'on peut vivre sans les banques. C'est pas un problème de confiance. Encore une fois, là, je vous dis que ces banques-là, qui ont beau avoir créé des systèmes de microfinance, depuis 25-30 ans, essayent de créer de l'inclusion financière, de faire rentrer les populations défavorisées dans le système bancaire, elles n'y arrivent pas. Le schéma économique ne fonctionne pas, ça leur rapporte pas suffisamment. Oui, hein, les banques ont vocation à faire de l'argent, hein, elles ne s'en cachent pas, c'est leur mission. D'accord. Oui. Bonjour, une petite question. Bonjour. Sur le bilan énergétique du Bitcoin aujourd'hui sur une année, mettons en 2018, est-ce qu'on sait estimer le volume en terawatt-heure d'énergie consommée? Et deuxième question, est-ce que du coup on sait comparer, vu qu'il y, a un phénomène, il y aurait un phénomène de substitution entre le système bancaire actuel et le Bitcoin, est-ce qu'on sait estimer pour les mêmes flux financiers, quelle est la consommation d'énergie du système bancaire aujourd'hui versus pour les mêmes transactions le système Bitcoin? Alors c'est une question, merci beaucoup, qui est très intéressante parce que j'ai fait un petit trou dans mon discours, j'aurais dû en parler. C'est 50 terawatts la consommation estimée du réseau Bitcoin aujourd'hui, donc c'est considérable. Hein, quand je vous dis que c'est un partenariat très noué avec les producteurs d'électricité dans les pays où ça se pratique, comme au Québec par exemple, c'est le cas, oui, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que j'attends aussi de cette prise de parole au sein du salon EDF, c'est qu'on réalise que le mining doit être cadré. C'est-à-dire qu'on doit déterminer, nous en France, si on estime qu'on peut donner 1% de notre production nationale, ou 0,5%, ou 5% au mining de Bitcoin. Mais il faut qu'on se rende compte que ça va arriver, que les mineurs arrivent là en France. Comme je vous l'ai dit, il y a une distribution des cartes qui fait que ce pays commence à devenir sexy pour les mineurs. Il faut qu'on soit prêt à avoir une réponse cohérente. On ne va pas se laisser bouffer notre production d'électricité, voir le kilowatt augmenter, parce que tous les mineurs viennent s'installer ici. Donc 50 terawatts, c'est acceptable. Cette puissance, elle a explosé l'année dernière. Elle ne pourra pas grossir autant l'année prochaine.
On sait que l'électricité disponible dans le mining est limitée. Par rapport aux institutions bancaires, évidemment, c'est beaucoup plus, et c'est normal, hein, l'institution bancaire fonctionne aujourd'hui, c'est la seule, et fonctionne dans le monde entier, donc ça consomme beaucoup plus que 50 TWh. Si on comptait tout avec le nombre de salariés, leurs déplacements, ça serait vraiment beaucoup plus que ça. Mais c'est normal que ce soit plus que le réseau Bitcoin. Le réseau Bitcoin pourrait consommer, on pourrait penser que ça devrait consommer beaucoup moins vu les usages qu'il y a. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en train de construire un écosystème, enfin en train de construire une infrastructure sécuritaire qui permettra d'aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le réseau Bitcoin n'a pas besoin de consommer plus d'électricité. Tel qu'il est aujourd'hui, on pourrait traiter 1000 fois plus de transactions. Il n'y a pas besoin de rajouter des kilowatts. Et comme les compagnies d'électricité disent aux mineurs, là on est arrivé à une offre plateau terminée, on ne vous donnera pas plus de kilowatts, on arrive dans une phase où il va falloir améliorer l'efficacité énergétique des machines. C'est la seule piste pour pouvoir faire augmenter notre hashrate. On ne pourra pas continuer à s'implanter partout et à aller installer des mines partout. Ce temps-là est révolu. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je crois que ça a sonné. Alors cette fois-ci, c'est fini. Merci beaucoup de votre écoute. Thank you.